Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode. Ok. Donc Ghost Recon Wildlands. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout de la saga. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à y retourner pour jouer, hein, tout simplement. C'est malheureusement une des choses qui arrive de plus en plus souvent sur la chaîne. C'est-à-dire que, bah, apparemment. La Madre Coca vient de nous transmettre un message, et il est on ne peut plus clair. Sachez où est votre place. Courbez les chines et récoltez pour la Santa Blanca, ou mourrez. Fijense bien, écoutez bien. Cette attaque contre nous a aussi un autre sens. Si la Madre Coca doit envoyer ses sicarios me tuer, c'est parce qu'elle a peur de ce que j'ai à dire. C'est pas faux. Queda claro. La Madre Coca ne craint qu'une chose, c'est de voir tous les habitants de Tabacal faire front contre elle. Pourquoi? Parce que sans nous, il n'y a pas de récolte. Bonjour. Waouh, il y a des nouveaux trucs qui arrivent là bizarrement. Le jeu a changé. Il y a eu des mises à jour qui sont sorties et oui, c'est bon, je te ramène. Voilà. Je vais littéralement couper les jambes. Hop, descends. Crac. La décision est souya. Ma bien sûr. C'est l'hélico qui m'a repéré, c'est quoi qui m'a repéré? Le drone a décollé. J'ai pas compris. Ce serait lui peut-être. Ok. Là, il y a un snipe, faudra faire attention. Et là, il y a des femmes qui ont l'air très heureuses d'être devant la maison du bonhomme, j'imagine. Sinon. Je devrais avoir normalement. Voilà. Histoire d'être sûr qu'il soit là. Voilà, parfait. Bon, maintenant, on va essayer d'éliminer un petit peu. Les civils, voilà. Ce qui devrait alerter un petit peu, voilà. Nos ennemis. En espérant que celui-là puisse venir plus près. Ce serait vraiment cool. Apparemment, notre ami n'est pas plus effrayé que ça. Ce qui m'emmerde un peu, je vais bien l'admettre. Leur capitaine fout le camp. C'est pas grave, c'est pas lui que je viens chercher finalement. Oula. D'accord, il y a lui là-bas qui croit m'avoir vu. Il s'amène pas ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Merde, eux, moi avoir vu maintenant. Merde. Ok, cool. Qui c'est qui me shoot? C'est lui là avec son Uzi? Allez, viens voir papa. Viens voir papa qu'on rigole. Apparemment ils veulent pas. Waouh. Superbe SUV. Bonjour madame, vous êtes à poil ou quoi? Ah non, c'est bon. Ouh. Espace d'un instant, je me suis inquiété. Tiens, voilà. J'ai découpé une jambe. C'est toujours mieux avec une jambe en moins. La vie est beaucoup plus... Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Ok, bon. On est en place et y'a personne, Gaston. On n'est pas là. Essayez au moins de trouver des intels. Je crois que j'ai été repéré assez rapidement. On retourne dans la maison, on va chercher la petite médaille, voilà, qui donne de la vitesse de réanimation, ce qui ne m'intéresse pas du tout.
Merde. Ça m'emmerde un peu plus que l'UNAD soit là. Finalement. Parce qu'apparemment l'UNAD me cherche, en plus. Là tu passes? Parfait. Mais non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je te jure que tu m'as pas vu. Hop. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je prends. Photographier. Photo! Utilité, ça a pas l'air génial. Hein. Ok. Oui, voilà. Si notre bon vieux DJ Perico utilise cette antenne pour émettre, l'ISA pourra peut-être le localiser grâce à ce schéma. Ils ont l'air un poil occupés, ce qui me dérange pas trop à vrai dire. Je vais prendre une voiture et me barrer. Voilà, Santa Blanca. C'est parfait, ils vont jamais me retrouver là-dedans. Ok! Et donc on a moult intel critiques, dont une arme ici. MSMG, où tu parles? On va passer là, puis après on va aller prendre, hop, le truc. Donc deux fois à gauche et on est bon, ok. C'est parti, la radio, là. Crac. Le convoi de transmission m'intéresse pas. Et d'un seul coup, l'orage vient. Et il fait nuit. Donc les phares. Ah mais c'est la route de... Oh bah oui, c'est littéralement la route de la mort. Il y avait des pendus à droite. Crac. S'il faut que je tourne, non. Bon bah c'est pas trop trop mal. On s'en sort plutôt bien. Là par contre, il va y avoir une catastrophe. La vraie question, c'est de savoir si je peux remonter la pente. Dans tous les sens du terme. Oui, vas-y. Ah oui, vas-y, remonte. Se grippe. Se grippe. Voilà. Oh, Lamborghini. La Lamborghini, elle n'a pas pu remonter la pente. Normalement. Si c'est un tantinet réaliste. Il y a une espèce d'arche là-bas. What the fuck. Soit... Soit il y a une espèce d'arche, ce qui dans ce cas-là me dérange pas. Et je la verrai pas sur la map. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça non plus, voilà. C'est ça que je veux faire. Ok, et donc c'est plus loin. Vous savez quoi, j'assume. Moi aussi, je vois un truc comme ça à ma mort. Tu te prends pour un imbécile? Je connais personne chez nous d'assez taré pour avoir envie d'un truc pareil. Bon, bah tant pis. Tombe de la Santa Muerte. D'accord. C'est à 900 mètres. Mais c'est où? C'est ça? Ok. Intéressant. Pourquoi pas? Une station pour le réseau de transmission du cartel. Je serai d'avis d'enfoncer la porte et de flinguer leur terminal. Oh! Ah, c'est une des fameuses missions où faut rentrer. Couche-toi, ils vont te voir. J'imagine que je peux pas monter là-haut du tout. Non. Bon, bah, on va passer là, alors. Grenade! Non. Oh merde. C'est une espèce de cartel. Traite cette décharge bien dégueu. Les ennemis engagent le combat. Tu veux bien reprendre une grenade s'il te plaît? Merci. Frag lancé. Je n'ai pas le chier. Je plombe ces fils de pute. Leur lieutenant est en fuite. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'ils foutaient là les mecs à droite? Putain, c'est pile le moment où ils sont... Oh la vache, je vais la perdre en plus. Bon, c'est pas grave. Ça voudra sûrement dire que je pourrais pas récupérer le... Allez, si tu... Reste-moi vite. T'as plus que 25 secondes. Ah bah merde, c'est un pote ça? C'est un pote, je crois.
Ouais, bah écoute, je veux bien, mais bon, là la mission c'est un peu. C'est un peu, on s'est chié dessus quoi. C'est pas grave, je lui ai pété les couilles. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais juste récupérer. Voilà, ceci. Bonjour, merci. Au revoir, tant pis. Déception. La déception d'un Marcu. C'est pas grave. Oh, toi. Ta gueule. Hein? Le coup du. Du jamais. Ah bah merde, attendez, 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 attendez. Il y a plein de trucs qui se sont passés en fait. C'est-à-dire que. Non, 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 ça je veux pas. Non, ça je veux pas. Mais merde! Voilà. Je peux baliser le matériel. Bon bah, et finalement, c'est pas si mal. Bonjour. Ton camion citerne, ça peut être intéressant par contre, hein, si ça explose vraiment derrière. Ok, c'est bon. Et donc nous nous dirigeons ici. C'est-à-dire en contrebas. Bien sûr. Bah, bah en fait non. On va tenter autre chose. Je crois pas que le jeu va vouloir. Je voulais voir s'il pouvait me faire une glissade ou un truc dans le genre, mais non. Apparemment le jeu ne voudra pas de toute manière. Attention, on a des ennemis sur zone. Ça doit être une de ces vieilles mines d'argent des Espagnols. Les esclaves ont trimé là-dedans pendant des siècles. Il paraît qu'il y a des espèces d'hôtels dans ces mines d'argent. Quand les mineurs bossaient, ils devaient laisser des offrandes de coca et de tabac à El Tio. Je comprends pourquoi la Santa Muerte a réussi à se taper l'incruste ici. On va prendre le bon flingue, ce sera peut-être pas plus mal. C'est pas quelqu'un apparemment. Y a un sniper là-bas. Oh non. Mais non, y'a personne. À part un trou du cul qui cause et qui est juste là. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Vas-y, sors ton canon qu'on se marre. Putain. Oh, elle lui a pété l'épaule en vrai. Oh les filles. Voilà. Pas pour moi la greu. Toi je te vois. Ce qui n'est clairement pas une bonne chose pour toi. Toi je te vois aussi, c'est pas une bonne chose pour toi non plus. Ok, on est bon? Vous êtes calmés? Je viens de recharger? Oula, on a un bug, ça y est. Et il a bien voulu. J'ai pas réussi à recharger mon arme, il a fallu m'y reprendre à plusieurs fois. C'est assez intéressant à voir hein, finalement. Ok, bonjour. Je peux? Merci. J'enquête. Voilà. Hop. Là, j'apprends qu'en fait, c'était le général Moutarde avec le chandelier dans la cuisine. J'ai cru comprendre qu'il y avait une embrouille entre les deux. Du coup, il va peut-être balancer le ticket. Attendez, il y a des motos dans le coin, là? Est-ce que ça... Ils vont nous tomber dessus dans pas longtemps. On fait quoi? Plus personne qui va me tomber dessus. Bon, c'est pas grave. Oh, une rouge! Oui! Oui, c'est l'heure de la rouge! Crac. On va y aller en ligne droite, hein. On va pas s'emmerder. Quoique, bah, apparemment, je suis. Bon, on va tenter quand même. Oh, bonjour. En vrai, là, j'ai plus de couilles. Oh, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Murray, voilà, en 3-7. Au troisième tour. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas.
J'ai regardé le début du match, ça me semblait plié déjà pour Del Potro. Mais bon. J'ai triché en plus. J'ai été quelqu'un de vilain. J'ai réussi à diffuser France Télévisions. Enfin, le direct de France Télévisions qui est normalement obligatoirement sur Internet. J'ai réussi à le diffuser sur la télé. Bouh. Mais bon. En train de me demander est-ce que je vais vraiment gagner du temps à le faire comme ça. Adieu mes couilles. Adieu mes couilles. Bien sûr. Bien sûr, refais-le quand tu veux, c'était super, super stylé, regardez. Ok, bon bah j'ai plus que 2,5 km à faire, c'est cool. Oh le mur. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu descends plus de moto maintenant dès que tu rentres en contact avec quelque chose? Ou t'encaisses les dégâts, t'es comme Zarya, tu charges ton coup, puis après au bout d'un moment... Il manquerait plus que ça. Ah mais c'est le pouvoir d'Ezio Auditore qui est en lui, c'est pour ça. Bon par contre la tenue de neige, pas méga efficace ici, si je puis dire. Hein. Allez, encore 3 montagnes. C'est bon. Ah merde. Le caillou de la glissade. Le caillou qui m'empêche de grimper correctement. Oh merde, je vais devoir descendre une montagne pour en remonter une. Hop, allez, monte. Allez, à gauche. Voilà, c'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'essaie de le diriger, mais il veut pas forcément tout le temps. Mais par exemple, là, c'est moi qui dirige, qui dit voilà. Mais là, par exemple, le caillou, c'est pas ce que je visais, vous voyez, par exemple. Mais bon, ça passe. On est bon. Ok, bah. Bien sûr. Oh. Ouais, ça c'était plié. Bonjour. Vous étiez où? Dans mon pot d'échappement personnel? Dans mon trou du cul? Ok, je vois un passage à gauche par là. J'avais pas vu le caillou par contre. T'arrêtes? Tu te calmes, Johanna? Voilà, merci. Hop! Crac, on est bon. On réussit à remonter une montagne, hein. C'est comme les chevaux de Skyrim. Pente à 90 degrés, non, par contre, pente à 89,99999, y'a pas de soucis. Hashtag comment péter un moteur de moto. Il a réussi à passer de la vitesse, tu te fous de ma gueule? De toute façon, pourquoi chercher la logique? J'ai vu quelqu'un chercher la logique dans Overwatch. Je lui ai dit d'arrêter parce qu'il a laissé un mal à la tête. Allez. Oh là. Il y a beaucoup plus de cailloux, j'en chie, regardez. Mais bon. J'en passe. J'en chie, mais j'en passe. Quel homme ce genre. Là par contre, ça pue, hein. Là, je vais devoir jouer du frein. Je vois pas d'autre solution. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette commande qu'est le frein. Vais-je réussir à m'en sortir ou me serais-je déplacé pour rien? Pas de train! Si ça commence à chauffer, surtout identifier vos cibles. On sait que Ruiz, l'ex-garde du corps de Perico, travaille dans cette mine. Il faut pouvoir l'interroger. J'ai repéré l'ex-garde du corps de Perico. On attend. J'ai été repéré. Apparemment, il va pas s'enfuir. Donc, c'est assez cool. Te fais pas rouler dessus par le train, s'il te plaît. Ce serait cool. Merde. Tu te fous de ma gueule là. Allez, fuck it. Mortier! Allez, tiens, j'arrive tout de suite. Il y avait des civils dans le coin.
commence à en tuer un... Ça commence à faire un paquet que je bute, hein, des civils, hein, je veux pas dire, mais... Alors, mitrailleuse, El Baston. On va tester ça. Elle est jolie en plus. Tu veux pas venir me voir? J'ai repéré l'ex-garde du corps de Perico. On va lui parler. Je m'occupe de toi, tiens-moi. Voilà. Bah merde. J'en ai bas, il y en a un deuxième qui arrive. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Qu'est-ce que vous foutez vers moi en fait? Ah! Mobiliser au moins deux rebelles. Oh ouais. Oh ouais, au moins deux rebelles. Donc il y a bien quelqu'un là. Merci, c'est gentil. Trop aimable. Tiens. Oh! Oh la haine! Sors ta tête! J'ai demandé une diversion aux rebelles. Reçu haut et clair, quelqu'un est déjà en route. T'es sérieux là-bas, y'a des ennemis là? Ah non, c'est nos potes, ça, merde. Je suis con. Je vous envoie nos données sur les positions ennemies. Apparemment, j'ai un mec juste en dessous. Je vais aller chercher. Boum. Apparemment, y'a personne de mort. Bah oui, ça pardonne pas, hein. On appelle ça une découpeuse. Ça veut tout dire, hein. Salut! Tu vas bien? Oh, attends, on va avoir 2-3 emmerdes là, rapidement. Oh! Oh! Ce snipe! Bon! On va avoir une petite discussion, copine. C'est vous, Arturo Ruiz, l'ancien garde du corps de DJ Perico? Perico? Ah, qu'il aille se faire foutre. Ce pinche puto, il a buté ma Paloma. Il a buté votre colombe? Non, mec, Paloma, ma chienne, la peau. Elle qui avait jamais fait de mal à personne. Perico a tué votre chienne? Pourquoi? Hijo de son reputa madre, Perico a essayé de fumer du shit avec le canon d'un AR-15. Le coup est parti et il a touché ma Paloma. J'en fais des cauchemars, je me réveille la nuit en sueur, j'en tremble. Je comprends. Vous voulez vous venger de Perico? Donnez-moi son vrai nom et une photo. Le vrai nom de Perico, c'est Marco Garcia. J'ai pas de photo, désolé, mais j'espère que vous allez lui faire la peau. Oh, t'es un mec... Oh, il méritait pas le petit coup! Il méritait pas le petit coup! Tous ces efforts, qu'est-ce que tu me chies? Quoi? Bah, allié, ça est là pour ça. Envoie-leur le nom et tu vas voir qu'ils vont nous renvoyer une photo en un quart de poil. Deux secondes. En un quart de poil de seconde. Vous saviez que les secondes avaient des poils? Ouh. Grande question. Ok, bon, il nous reste normalement une mission. Mais j'imagine qu'il faudra attendre un petit peu. Je me casse! Salut! Voilà. Si tu le dis. Qu'Atari puisse utiliser ce signal, il nous faut encore la clé cryptographique. Ok, on peut vous transmettre les corps. Où est-ce qu'il est le train, hein? De Perico. À vous d'aller lui prendre la clé cryptographique. Bowman transmet le profil de DJ Perico. Cool. Vidéo disponible. DJ Perico. DJ Perico, le perroquet. Ouh. Son rêve dans la vie, c'était de devenir DJ de mixtape. Donc en gros, être payé à gueuler par-dessus la zig de quelqu'un d'autre. D'accord. Heureusement pour la musique, la vie en a décidé autrement.
Dealer à 13 ans, inculpé pour trafic de crack à 14, tentative de meurtre à 15. Plutôt que d'aller mariner en zonzon, il s'est enfui au Mexique. En zonzon. Ses cousins bossaient pour la Santa Blanca, du coup il est devenu sicario. Porte-flingue. Sauf que si la Santa Blanca avait épluché son dossier, elle aurait vu qu'il était recherché seulement pour tentative de meurtre. Il avait réussi à rater deux types à la vente à 4x4. Non mais vous imaginez le guignol ? Paloma ! Le type aurait fini par se mettre à dos tous les membres du cartel sans exception et retourner aux États-Unis les pieds devant. Un détail. El Sueño l'avait à la bonne. Il trouvait Perico amusant. Le type était pas foutu de tirer droit, mais il avait la tchatch. Résultat. Good morning, Bolivia ! El Sueño lui a trouvé un rôle, la radio pirate, la propagande. Prêcher la bonne. Ça lui va bien, cela dit. L'événement de la Santa Blanca. Belle journée pour la cocaïne. Comme tous les jours, j'ai envie de dire. Big up à mes potes de Pucara qui préparent la dernière demeure d'El Sueño. Pas la peine de trop vous presser. D'accord, les gars ? Ça, il sait faire, DJ Perico. Comme quoi, tout le monde trouve sa place dans la vie. Ouais. Il a plus d'abonnés que moi. M'en fous. Ok. Et donc, merde, non. Non, voilà. Où est-ce que je le trouve, ce bonhomme ? Au mausolée. Ah non ! Chopez-moi ce petit con et faites-lui cracher sa clé cryptographique. On va transformer sa radio libre en radio Bolivie libre. Bolivie libre. Ok, bon bah. Ça tombe bien. C'est par là qu'on va. Et j'imagine que ces rails vont nous y mener, mais alors, proprement. Il y avait un hélico là-bas. Ouais, mais ils ont des lance-missiles, je m'en rappelle. Je les ai goûtés. Par contre, on va bientôt plus rien y voir. Hello ? Voilà, bon bah. Et là, je suis aveugle. Et là, c'est pas passé loin. Et tnutnut, et vroom vroom, c'est moi, c'est le méchant. Bruce Willis, qu'est-ce que tu fais à gauche? Salut. Ah oui, t'as rien vu. Des escaliers. Non. Non, j'en vois pas. Hein. Vous voyez, vous, des escaliers? Que dalle. C'est fou, hein. C'est la base ennemie, plus ou moins, hein, c'est... Là où on voit toutes les vidéos d'El Sueño. Mais ah. Allez-y les mecs, faites feu, y'a pas de soucis. Y'en a qui se demandent encore si je suis un ennemi ou pas, donc profitez-en. Ah. Ah. Tu crois ? Oh. Bon, ça passe. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ça passe. Voilà l'antenne. Perico doit pas être loin. Je vous rappelle qu'il nous le faut vivant. Ouais, ouais, bah écoute, je vais le chercher, puis je reviens. Hey, c'est Perico en visuel. Leur capitaine fout le camp. Coopérer, Todo, ça c'est la bonne. Fais-moi pas chier. Ok. La mission la plus difficile du jeu. Hey, regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un sicario? C'est pas la peine de me tuer. Ah ouais? Pourquoi ça? Parce que j'ai encore toute la vie devant moi, j'ai des rêves, tout ça quoi. File-nous la clé de contrôle de la station et on te laisse à tes rêves. Ok, ok, mais c'est pas moi qui vous l'ai donné, d'accord? Alors l'identifiant c'est BIDIBOM, Bidibom. Et vous saisissez les chiffres générés par l'authentificateur. Savoir cet instant, Perico. C'est le jour où t'as failli mourir. Et boum. Et le jour où je t'ai épargné. Ok. Je sais que tu pourrais changer la clé dès maintenant. Mais pour me remercier de pas t'avoir tué, tu vas continuer à émettre et tu vas attendre que mon associé Pac Katari passe son message avant de changer le mot de passe. C'est compris? Ah! Ah! Bon, man, on a la clé cryptographique.
l'information. Il va falloir le faire évader d'une prison de la Santa Blanca, mais on a besoin de lui. Ils sont pas à Tecos, pas incarcérés au RAB? Non, et moi non plus. Amenez-le à un... Tente un truc! Ah, je passe pas! Bien compris. Je pensais pouvoir sauter par-dessus. Mais en fait, non. Aïe, je vais mourir là. T'es sérieux? Tu veux pas passer par-dessus et sauter le parachute? Je sais pas, tous les joueurs du jeu ont dû y penser, quoi. Oh. Aïe. Oh, il est tout seul. Oh, il est tout seul. Cette histoire pue du cul. Allez, dépêche! Il va au suicide. Ah, je t'attends. Allez, tiens le coup, j'arrive tout de suite. Poupi 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 poupi. Poupi 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 poupi. Alors, est-ce que du coup on en est où là? Est-ce que du coup on en est où? Ici. Technicien radio de Pat Katari est retenu prisonnier au barrage de Lipo. Faut qu'on le fasse évacuer. Le système de diffusion de Perico. Coucou. C'est la fuite! Ah, Gasquet et mon fils sont sur le cours! Je savais pas que j'avais un fils! Me préviens pas! Bon, c'est pas la chute la plus. Plus incroyable du monde, hein, je veux pas dire. Et puis en plus, on va. C'est pas comme si on allait atterrir dans un endroit de merde. Ouais, y a une moto là. Tu veux qu'on cherche des intels dans le coin? Activité ennemie à proximité. Hop là. Hello. Cool. Salut le mec. Forme le mec. Ça c'est pas un ennemi. Il n'y a pas tant que ça des ennemis finalement. Mais personne. Bon bah... En douceur, hein, si je puis dire. T'aurais bien une petite moto dans le... Ah non, la seule moto elle est là. Juste à côté des ennemis. Là, on est repéré. Leur officier fout le camp. Non, non. Voilà. Bonjour. Bonjour. La forme. Crac. Bon, il paraît que t'as des choses à me dire. Je t'écoute. Ok. Bon. C'est fait. J'ai vu que t'avais un hélico dans le coin. Ouh. Le jour où... Si y a un, j'imagine qu'il y a un mode de jeu qui enlève l'attack map. Et dans ce cas-là, chers amis, moi je vous dis, le jeu devient complètement plus difficile. Ah oui, putain, c'est vrai, je suis pas du bon côté. Moi je suis dans un jeu style GTA. Où les côtés, en fait, il y en a pas. J'ai voulu tenter un truc. Le jeu m'a dit non, du coup je me suis arrêté là. Tranche les copines! Non, dommage, tant pis. C'est pas grave, ok, on y va. Bon bah. Du coup, on va peut-être se laisser là pour cet épisode, les amis, je pense. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Et moi, je vous dis à plus après ce petit coup de missile! Aïe! Pète les couilles. Hein. Pas vous mentir, je pensais que j'allais être hors de portée. En fait, non.
Ce qui veut dire qu'on va se taper 1 km à pied pour moi en tout cas. Mais pas vous. Salut les gens!